Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 10 sur Doom Eternal. Alors, on arrive dans les premiers endroits qu'ils ont été infectés. Et ça... Waouh. Calmons-nous. Bien fort. Bam. Ouais, je m'en doutais que ça allait être un truc à la con, ça, mais je sais pas pourquoi, je me suis dit non, ce jeu est bien. Il va pas faire ça. Ah si. Clairement, il va le faire. Mais pourquoi il y a des munitions partout qui traînent et moi qui peux rien récupérer? Chien! Ouais, bah calme-toi parce que là, il y a le vide quand même, hein. Oh, oh, oh! Paf! Hop! Ah oui, avant toute chose. Qu'est-ce qu'on a comme défi? Enchaîner aux armes. Obtenez un module d'armes. On va essayer. Secret sanglant. Terminer les deux confrontations secrètes. Ça va être dur. Cochon qui sent dédié. Effectuer 3 glory kills différents sur des Pinky. Quasiment impossible. Hé, ma vie! Rends-moi ma vie! Nouvelle mort. C'est beau. Fallait le savoir. Comment on fait pour récupérer la vie? On va passer par là. Comment je récupère ma vie? Mais... Laissez-moi récupérer ma vie. Moi, je te mets une manchette, le truc. J'en ai rien à foutre. En plus, il y a un passage secret, là. Allez! Comment on fait pour y aller? Ah, mais ça sent le putain de niveau à la con, ça. On va tourner en rond comme des ânes. Ok, ça, c'est toutes des portes à la con à ouvrir. Moi, il n'en a rien à foutre de ce que je lui fais. J'en ai l'impression, hein. Paf! Pastèque! Ok. Bim! Ouais. Hop! Ah! Je me bats! Bim! Pleine gueule! Olé! On se barre! Munitions.
Putain, mais non! Bordel! Yeah. Ah mais quel emmerdeur lui. Il est où le gros? Il est où le gros casse-couille là? Parce que lui il est bien casse-couille hein. Ça a été très chaud. Munitions épuisées, merveilleux. Aïe. Et de une. Ok. C'est vrai qu'il y a un passage sur le côté. Mais pas par là. Ça s'est pris. Et là, on a quelque chose. On peut pas passer. Ok. Munitions. Mes frères, mes sœurs, quand pour la transition de nos amis dans leur nouveau monde plus confortable. Alors, on va aller prendre... Ouais, je pense qu'on va prendre l'arbalète hein, plutôt que la lance de destruction. Je trouve ça plus cool. Allons-y. Je te savais et toi tu me tires dessus. Bah merci. Merci la complicité. D'accord. Ça pour un coup on peut pas non plus buter. On peut pas le casser, on peut rien faire. Je peux mettre des patates de forain à des mecs mais je peux pas casser un carreau. T'es sérieux? Ouais.
Eh oui. Oh non! Ah bah c'est... Au revoir. Olé! D'accord. Ok. Toi aussi. Hop là. Oh oh putain, il est revenu lui. C'est quoi ce délire là? Ah, j'avais pas vu, mais c'est sympa, c'est marrant. Ouh! Le truc qui m'a envoyé valser, je sais pas ce que c'est. Olé! Il y a une grosse clé là. Comment on fait pour y aller? Il nous montre plein de trucs, mais impossible d'aller à quoi que ce soit. Ah, et là on revient ici. Mais on peut pas aller au-dessus. Comment ça marche? Ah, mais si, on peut aller au-dessus. Oh! Calme-toi. Aïe. Aïe. Casse-toi, toi. Aïe. Ah bah d'accord. Bah si on devait en tuer 3, je crois que c'est cuit. Hein. Forcément, le seul moment où il se dit tiens, je vais être sympa, je vais lui changer d'arme auto, il me met la plus grosse arme de tous les temps. Et du coup, j'ai one shot le Pinky. Super. J'ai envie de dire super le jeu, merci. Ah mais là, on peut pas passer. Ah mais c'est nul. Mais il y avait des trucs ici à récupérer. Putain mais... Comment on fait? Quel enfer. Là ici c'est ouvert, d'accord. Merci copain. On a combien de points? 4. Je pense qu'il est temps d'aller voir l'armure. Pour 4 points, on peut avoir ces trucs là. Alors... La ruée se charge plus vite, ça peut être pas mal. Le Glory Kill recharge la ruée. Ah, ça peut être pas mal, ça. Les ennemis gelés auxquels vous infligez des dégâts et que vous tuez libéreront de la santé. Ça, c'était pété, ça. Il faut juste que je retrouve comment on fait pour... Pour changer de grenade. Désolé. Il y a trop de touches dans ce jeu. Clairement, il y a trop de touches. C'est super, hein. On a plein de trucs, mais c'est... Il y a trop de touches. Je peux pas tout retenir. Changer d'arme, roue de sélection. Changer de module d'arme. Changer d'équipement. Serait G. Je sais pas, peut-être. On va dire peut-être. G. Grenade. Grenade, d'accord. On va dire ça alors.
Et là, je vais où? Oh! Il y a ce truc, là. Je sais pas trop comment j'y vais, mais il y a ce truc, là. Ça, c'est toujours fermé du cul. Ok. Il y a d'autres trucs qui se sont ouverts? Ce serait bien. Vous me permettrez de savoir où je vais. Ça, c'est fermé. Ça, c'est quoi? Me demandez pas pourquoi j'ai fait ça. Putain, à quoi ça sert d'avoir un truc qui me fait sauter par là? J'en sais strictement rien, putain. C'est ouf. Là, c'est vide, y'a que dalle. Là, c'est du vide, y'a que dalle. Assez merdique, hein, cet endroit, je sais pas où je vais. Clairement, je sais pas où je vais, là. Là, le truc est aux fraises. Le pointeur, il me dit 93 mètres. Ah ! D'accord, super, on recommence. Bon, j'ai l'impression de me rapprocher par là. Bon, ça, c'est clairement des clés à la con à récupérer. Mais pourquoi celle-là, il n'y a pas de clé? Et elle s'ouvre pas quand même. Compliqué. Pourquoi il veut que j'aille là-dedans? Ah, j'ai compris. Faut utiliser ces putains de barres. Fallait le savoir. Totem de boost. Les totems de boost augmentent la vitesse et les dégâts des démons à proximité. Ces démons plus puissants continueront d'apparaître tant que le totem de boost ne sera pas détruit. Taquer le totem au corps à corps pour supprimer le bonus conféré au démon. Ah, d'accord. Parce qu'en plus, on veut pas le détruire à distance. C'est super, ça. Génial. Il est où ce connard de totem de boost, con? Bordel, il est où? Aïe! J'ai mal à mon moi. Voilà. Putain, c'est quoi ce délire? Hop! Aïe, aïe, aïe! Tu vas crever! Merde! On va crever parce que c'est con, repop en boucle! Putain, mais donne-moi une arme avec des balles, bordel de fion! Non, t'es sérieux? J'ai rien de mieux! J'ai vraiment plus rien! Putain, mais... T'es sérieux? Mais comment tu veux que je bute ces connards? D'accord. Ah bah écoute, si c'est ça qui doit me donner ce que je veux, pourquoi pas? Allez, cassons-nous, c'est la merde. Mais barre-toi, putain de merde.
Ah, casse-toi. Bien au fond de ton cul. C'était horrible. J'ai détesté ce moment de tout mon être. On va, il y a quelque chose à récupérer ici parce que franchement, je suis pas hypé. Il y avait un truc là-bas apparemment. Il faut venir d'en dessous, je sais pas pourquoi. Surtout qu'il y a que dalle sur la map, donc apparemment on peut pas. Putain, je déteste ces endroits là. Con. C'est dingue. Ah oui, et ça, il faut qu'on les réussisse à tout prix. C'est super. Pourquoi j'ai que 3 balles avec ça? Putain, j'ai jamais de munitions avec ce flingue de merde. Aïe. Raté. Ah ouais, d'accord. Ah bah putain, pour le réussir, bonjour. Encore un truc du cul impossible. Oh là là, quel merdier, je vous jure. Je déteste ça. Bon, c'est mort. Hein. Là, clairement, avec ce qui me reste de vie, à part le suicide, je vois pas ce qu'on peut faire. Et j'ai plus de vie nulle part qui traîne. Même là, non, que dalle. Il n'y a vraiment que... Il n'y a plus rien. Il y a Kutch, on a tout bouffé. On a tout bouffé pour faire la salle, c'est mort. Oui. Non, attends, 70, 60. Ouais, c'est par là, d'accord. Oui, et la clé est jaune, mais putain, mais oui, quel con. Bien entendu, parle. Eh, du coup, la clé jaune, elle ouvrirait pas un merdier là-bas? On n'avait pas une clé jaune? Ou c'était la clé bleue? Oh, ce que j'en ai marre de ces conneries de clé couleur. Ça, c'était bien il y a 20 ans. Non, c'est la clé bleue. Maintenant, de nos jours, c'est un peu casse-couille, quoi. J'aimerais bien qu'ils trouvent d'autres systèmes, quoi. Parce que l'histoire des clés, c'est sympa 5 minutes, hein. Ah oui, de la vie. La Terre est le melting pot de l'univers. Ah, parfait. Augmente la durée d'étourdissement. Ouais, si tu veux. Si vous survivez, ouais, pourquoi pas. Coloric plus rapide, ouais. Ouais, c'est pas des trucs que je sens que je vais me servir. Hein. Je les prends, mais alors, franchement... Franchement, pas sûr de leur utilisation. Hein. Ah d'accord, c'était celui-là. Bah merveilleux. Au moins, on l'a pas raté. C'est déjà ça. Tuer des démons lorsqu'ils brûlent pour obtenir plus d'armure. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Oh, tellement de choses. Oh putain. Oh mais merde. Ah bah oui, bah acculez-moi, tiens. Ok. Bah on... Clairement, bah on les laisse. Tant pis. Ah mais merde, c'est pas possible. Ok. Aïe. Aïe. D'accord. Super. Ça c'est fait.
Ah! Un truc bien. Waha! Non! Qu'est-ce que tu fais? Génial. Merci. Génial! Putain! Alors tout à l'heure, il me change pour tuer le Pinky sans que je lui demande. Et là, je tire comme un con et il me dit « Chargeur vide, démerde-toi » et je suis en train de me faire tirer dessus. Je comprends pas l'histoire du changement d'arme dans ce putain de jeu. Sérieusement, tout a été super bien fait, sauf le principe, c'est-à-dire c'est un jeu de tir, et ben changement d'arme, ce sera de la merde. Voilà, bah bravo. Et lui, il se fait molester, il meurt pas. Ok, ça c'est déjà pas mal. Cassons-nous. Ok, ça c'est bon. Nunu. C'est pas mal. Wouhou. Paf. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'il se pointe. Allez. Paf, dégage. Ok. Ok. Oui, on va devoir s'en occuper un peu plus sérieusement. Au revoir. Ok. Encore du stromo, hein, buté. Wouhou. Qui tire comme ça? 5 heures. Saute, bordel de fion. Ok. Les gars. Aïe, aïe. Paf. Dégagez. Aïe, aïe. Putain, mais c'est qu'ils vont réussir à me tuer avec leurs conneries. Y'aurait pas un caco derrière? Aïe. Ça c'est donné. Bah d'accord. Lui il est venu se faire tuer. Pas mal. Wouh. C'était assez chaud. Et le gros là qu'on a croisé, qu'on a laissé là-bas, je l'ai plus jamais revu, hein. Donc il y en a, ils ont dû se suicider. C'est comme les araignées, je sais pas où est-ce qu'elles ont atterri. Peut-être tomber dans la lave, va savoir.
Bon, en vie apparemment on n'est pas trop mal. En armure c'est pas ça, je vous l'accorde. Munitions. Oh oh. Mais tu fais quoi toi? Putain. Allez dégage. Tiens. Mange ça. Deux autres clés sont nécessaires pour ouvrir le passage. Trouvez-les. Pourquoi je suis revenu là? J'en sais rien, mais au moins j'ai pas besoin de chercher l'endroit, c'est cool. Parfois, l'évolution a besoin d'une aide extérieure. L'UAC est toujours prête à rendre service. Mais quel service, hein? Ok, une vie. Ça y est, c'est reparti. Paf! Paf! Bon bah... Ok, c'est cool. Ah! C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ok, bah il est mort, hein. Bon, le Pinky, c'est cuit, hein. Ça c'est verrouillé. Enfin, je crois. Parce que d'habitude. Tiens, toi. Et de deux. Oh, mais merde. Oh, putain, jamais de balles pour rien. Ah! Débloque les munitions. C'est pas que j'en ai pas envie, mais je vais les prendre. Clairement, je vais les prendre. Parce que là, ça commence à être la zermie. Démon massif et super massif restent enflammés plus longtemps. Ok. C'est cool. Voilà le cœur du nid. Il s'est installé dans le générateur principal de ce complexe. Réactiver le générateur détruira le nid. Ouais, si ça se trouve, il y avait un bouton à appuyer là-bas. J'ai même pas fait gaffe. Comme un gros naze. Ok. Eh, hey, super Gatling. Moi, je la veux, la super Gatling. Oh! L'endroit du schnapps. Prêt. Il arrive un moment, plus rien à foutre, hein. Ça va suffire, les conneries. Oh oh.
Oh, la jolie mort. Combinaison anti-radiation vous protège de la boue toxique et de l'eau toxique, mais perd en efficacité au fil du temps. Recharge la combinaison anti-radiation en trouvant des recharges de combinaison anti-radiation ou une autre combinaison anti-radiation. Ok, alors. Là, ça fait bobo. On met ça. Ça fait plus bobo. Mais ça baisse. Et ça, ça remonte. Ok. Merde. Ok, ça marche. Merveilleux. Ok. Ouais, je sais pas trop à quoi ça sert. Ok. On va essayer de la conserver un minimum, hein. Ah. Oh. Ok, c'est passé. N'ayez pas peur. Une fois que votre âme aura été consommée, votre terreur disparaîtra. D'accord, super. La boule magique. Oh, oh, oh putain, je dois aller. Ok. Oh non, pas encore un défi du fion, du schnapps. Oh, je déteste ça. Bon, bah, on va voir ça au prochain épisode. On a déjà bien avancé. On s'est déjà bien fait péter la gueule aussi, au passage. Bon, sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas... Doom Eats Mighty. A bientôt.